Je fais de la création et de la restauration en vitrail. Et je crée également des bijoux en perles de verre filées au chalumeau. Dans mon enfance, j'aimais bien les travaux manuels. Je faisais beaucoup de cadeaux à l'occasion des fêtes des pères, fêtes des mères. Je prenais plaisir à réaliser des créations personnelles pour mes parents, pour offrir. J'ai découvert dans une petite église à Varangeville un vitrail réalisé par Georges Braque. Et là, j'ai été émerveillée. Je pense que c'était une création qui m'a confortée dans le choix de mon métier. J'ai voulu rentrer dans une école des métiers d'art. J'ai postulé pour plusieurs écoles et je suis rentrée à l'école des métiers d'art d'Arras où j'ai obtenu un diplôme universitaire des métiers d'art en vitrail. Après l'école des métiers d'art d'Arras, j'ai voulu poursuivre ma formation dans le travail du verre dans sa globalité et j'ai poursuivi aller au CERFAV, donc au Centre Européen de Recherche et de Formation aux Arts Verriers, où j'ai obtenu un CAP décoration sur verre et un diplôme de compagnon verrier. Création de mes perles, je développe le thème de la germination, donc l'énergie, la croissance, le développement, ce sont des termes qui m'animent en fait. Je me suis rendu compte depuis la création de mon activité qu'un terme récurrent revenait sans cesse dans mon travail de création et ce terme c'est l'harmonie, je cherche l'harmonie des couleurs, l'harmonie des formes, que ce soit dans le vitrail ou dans la perle. Pour la commande d'un vitrail, donc je commence par discuter avec le client, ensuite je propose des maquettes. Je propose également une simulation par ordinateur et donc là commence la réalisation du vitrail. La satisfaction, elle commence quand on assemble les morceaux de verre. Je suis toute seule à la ressentir. Et ensuite, quand le vitrail est terminé et qu'on vient le poser chez le client, là, on est tous ensemble. C'est le grand silence. Après ces 5 minutes de silence, on commence à reparler et on partage vraiment, on a vraiment partagé une émotion. Et ensuite, on en parle, on apprécie, on est content. Le verre devient lumière en fait. Il est lumière, c'est ce que je travaille. Je travaille la lumière. Donc c'est ça qui est passionnant.